Sur le plateau de l'émission L'heure des pros sur CNews, Pascal Pro accueillait Patrick Chenet ce vendredi 3 février. Le comédien, âgé de 75 ans, était invité pour parler de son dernier livre, Lettre d'excuse. La première lettre est destinée à son fils aîné Ferdinand, décédé tragiquement dans un accident de la route le 13 octobre 2006 à l'âge de 20 ans. Pascal Pro a alors commencé à lire les premières lignes de cet écrit, affichant une certaine émotion non dissimulée dans sa voix. « Je trouve que cette lettre que vous écrivez avec les mots les plus simples est émouvante », a commenté Pascal Pro. Dans cette lettre, Patrick Chenet s'adresse directement à son fils, né en 86 de son union avec Coralie Serrigue. Il a décidé de mettre l'accent sur le sentiment de culpabilité qui le hante depuis sa disparition tragique. « Mon petit bonhomme, mon grand, mon fils, je m'excuse de ne pas t'avoir protégé. Je m'excuse de ne pas pouvoir t'admirer grandir, de ne pas être témoin à ton mariage, de ne pas devenir le papy idéal dont tu aurais rêvé pour tes petits descendants. »